Yolana, autant pas à toi, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je vais à la rencontre de Bernard, un des 7 finalistes de la Nescafé Star, pour qu'il me parle un petit peu de ses passions, de son parcours et évidemment de musique à bord de cette somptueuse Jeep Renegade. C'est parti. Ah, tu me donnes envie de danser là. Alors, dis-moi comment tu t'appelles et d'où est-ce que tu viens? Ben, moi c'est Pitman Bernard et je viens de Papeete. Moi, ce que je voulais savoir avec toi, c'était qu'est-ce qui t'a poussé à te présenter à la Nescafé Star? En fait, ce qui m'a poussé à me présenter à la Nescafé Star, c'est une des amies que j'ai rencontrée lors d'une prestation que j'ai fait en ville. Mm-hmm. Et cette amie-là, elle m'a dit, fonce, vas-y, tu peux le faire, tu peux être sélectionné. Et ben, je suis parti et je la remercie de tout cœur. Et tu fais partie des finalistes. Je fais partie des finalistes. Aujourd'hui. Bon. Est-ce que tu as un moment en particulier qui t'a vraiment marqué lors de cette aventure? Moi, le moment qui m'a vraiment marqué, c'est... Ben, c'était lors des duos. J'étais avec une des candidates, Noémie. Ouais. On a fait un duo, elle m'a laissé choisir la chanson et on a interprété Holding You de Stan Walker. D'accord. Et je pense que c'était l'une des meilleures prestations que j'ai faites dans ma vie. Alors, j'avais discuté justement avec Noémie et elle me disait que c'était exactement la même chose pour elle. Ce qui l'avait vraiment marqué dans cette aventure, c'était le fait de pouvoir performer, de pouvoir chanter avec d'autres artistes justement qui ont ce don comme vous. Là, je t'ai entendu chanter tout à l'heure, le don du chant. Et elle me dit que c'était pareil pour elle. C'est le fait de pouvoir partager cette passion ensemble. Oui, quoi. C'est carrément ça. Ben, c'est un peu ça aussi l'aventure Nescafé Star. Hein. Est-ce que après Nescafé Star, tu as des projets en particulier? Oui, avec des candidats, Tawatea, on compte monter un groupe. Et peut-être percer dans la musique, mais on essayera de faire autre chose que ce qu'on a l'habitude d'entendre ici. D'accord. On est plus dans le style des musiques de Nouvelle-Zélande ou les musiques internationales. On arrive plus à s'exprimer avec ce genre de musique. Comment ça se passe l'ambiance entre candidats, que ce soit finalistes ou les candidats en général, ça se passe bien? Ah, pour moi, c'est... Je vois vraiment pas en fait les autres candidats comme des rivaux, mais plus comme des amis. On a formé en fait un genre de groupe et on arrive facilement à se compléter les uns les autres. Et c'est vrai que le plus important dans ce genre de concours, c'est aussi l'ambiance, quoi. Que c'est vrai que ça reste une compétition, mais après, quand il y a une bonne ambiance, oui, ça c'est super important, quoi. Ça peut que bien aller quand l'ambiance elle est bonne. Du coup, est-ce que tu me ferais l'honneur de m'interpréter une chanson? On a une petite sélection de tes chansons préférées. Et je voulais savoir, grâce à ce super écran tactile de la Jeep Renegade, où est-ce que je vais sélectionner une de tes chansons? Est-ce que tu me fais le plaisir de pouvoir l'interpréter? Ok. On est en Nouvelle-Zélande là. Merci sur ces belles paroles, Bernard. Je vais te laisser aller en répétition. Merci beaucoup pour la belle personne que tu es, pour le Merci beau partage. Et ben écoute, on croise les doigts pour la finale. On croise les doigts. Et Merci beaucoup. Bonne continuation. Merci.
Du 20 mai au 3 juin, votez par SMS et tentez de remporter un smartphone Samsung Galaxy Z Flip 3 offert par Vini. Retrouvez toutes les prestations des candidats sur tntv.pf, rubrique Nescafé Star et sur la page Facebook Nescafé.